Livres, séries ou bien art urbain à leurs yeux, ce sont les immanquables du moment. Est-ce qu'on va être d'accord avec eux? On va en débattre avec Olivier Lamberterie, Benoît Lagan et Jérôme Cassou. Bonjour à tous les trois. Bonjour. C'est nous les immanquables. C'est vous les immanquables, bien sûr. On va commencer avec un coup de cœur série, Benoît. Oui, Les Anneaux de Pouvoir, la série adaptée de l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui était très très attendue. Ça démarre aujourd'hui sur la plateforme partout dans le monde. Et il y a beaucoup d'attentes parce que les fans de Tolkien sont nombreux. Alors les fans des livres, les fans des films, je ne sais pas vous, si ça a été votre cas, le Seigneur des Anneaux, Olivia, par exemple. Moi, je fais un refus d'obstacle. J'ai trois fils, j'ai essayé de les regarder depuis 10 ans, je n'arrive pas. Vous avez accroché. Je suis très... attentive à moi, votre chronique. Est-ce que vous allez me séduire? Moi, j'ai adoré la série, alors que a priori, les films, Le Seigneur des Anneaux, moi, ça m'a un peu fatigué. Ah oui. J'avais l'impression que c'était des personnages qui avançaient sur des jeux de plateau, vous voyez, et qu'il y avait peu de psychologie. Les livres me tombaient sur la tête à chaque fois que j'essayais de les lire. Or là, la série m'a complètement embarqué. Vous avez mis trop dans la bibliothèque. Peut-être, c'est ça. Le livre ne m'a pas plu, mais la série m'a embarqué parce qu'il y a quelque chose d'assez majestueux et merveilleux. En fait, je vais pas vous faire l'histoire, mais on est dans l'héroïque fantasy, c'est-à-dire il y a des nains, il y a des elfes, il y a des humains, le mal va est là sur Terre, et tous ces gens vont essayer de s'unir pour lutter contre le mal. Voilà. Grosso modo. Okay. Bah, c'est pas mal, non, pour regarder en famille? Oui, bah, oui, bah, alors, c'est ça, la famille, c'est le bon terme, parce que contrairement à la série de Game of Thrones, qui est quand même hyper violent, là on est dans quelque chose qu'on peut voir en famille, c'est quelque chose de très familial. Et l'émerveillement de ces personnages face aux enjeux qui arrivent, moi c'est ça qui m'a embarqué. J'ai vu que 2 épisodes, on a eu droit à voir que les 2 épisodes qui sont disponibles aujourd'hui sur la plateforme, mais franchement, ça donne envie pour la suite. C'est la plus chère de l'histoire, non? C'est la plus chère de l'histoire, 465 millions de dollars, et ça se voit, parce que c'est extrêmement bien mis en scène, les effets spéciaux sont très beaux, mais c'est jamais au détriment de l'histoire, parce que parfois, quand ça coûte cher, les effets sont géniaux, mais l'histoire un peu faible. Bof, là, l'histoire est très belle. Jérôme, vous en pensez quoi? Moi, je dirais que... moi, je ne suis pas très amateur de ce genre de film, mais en tous les cas, on a la référence à la peinture. C'est vrai qu'on est très dans le 19e, c'est très inspiré. Il faut quand même reconnaître que les créateurs des costumes et des décors vont vraiment puiser dans le symbolisme du 19e siècle, dans Delacroix, dans Ingres. Donc, effectivement, on peut être amateur d'art et être amateur de ce genre de série. Et les créateurs, il faut dire qu'entre l'œuvre de Tolkien et les films jusque-là, ils avaient de quoi se baser pour être aussi beaux que tout ce qu'ils avaient avant eux. Ça donne envie, on va découvrir. Olivia, la rentrée littéraire, ça vous met de mauvaise humeur cette année? Non, ça me met de bonne humeur, mais ce qui me met de mauvaise humeur, c'est qu'il y a 490 romans qui sortent et on a l'impression qu'il y en a 3. Tout le monde parle des mêmes. Donc moi, je vais vous parler d'une inconnue. Elle s'appelle Miranda Collet-Heller. Retenez son nom, La mémoire de l'eau. Personne ne la connaît, sauf moi, vous, Benoît. Mais parce qu'elle a dirigé un temps la chaîne HBO, enfin elle était à la direction artistique de la chaîne HBO, la chaîne câblée, à l'époque de notamment Six Feet Under. Donc là, vous la voyez, Six Feet Under, The Wire, Les Sopranos, c'est elle. Autant vous dire qu'elle sait raconter une histoire. Ouais. J'ai promis à notre rédacteur en chef bien-aimé que je mettrai une minute pour vous dire que c'est l'histoire, pardon, en plus, je perds ma voix, de Ellie. Ellie, elle se réveille, elle a une 50aine d'années, elle est dans une maison aux États-Unis, à Cape Cod. Ça ne va pas du tout. Pourquoi ça ne va pas? La soirée précédente, il y avait sa mère, ses enfants, son mari. Elle a fait l'amour avec son meilleur ami depuis l'enfance. Ah, est-ce qu'elle le regrette? Elle a 24 heures pour choisir entre son meilleur amour ou son mari. Donc, on peut dire extrêmement bien découpé. Ouais, ça pourrait faire une série. Oui, mais on peut dire que c'est une histoire classique. Pourquoi celle-là, elle vous plaît particulièrement? Parce que chaque détail, parce que justement, elle a l'habitude des séries. Et dans une série, ce qui est génial, c'est que tout est pensé, que chaque détail est important. Et là, chaque détail est important. Et le découpage, vous avez 24 heures de la vie de cette femme, entrecoupé des 50 ans de la vie de cette femme. C'est génial sur le couple, l'amour, le bonheur et les relations d'une femme avec sa mère. Il n'y a pas un détail qui est convenu. Moi, il y a un livre que je mets plus haut que tout qui s'appelle Le Bonheur Parfait de James Salter. Eh bien, je vous jure qu'on flirte avec cette qualité-là. Ça fait envie. C'est vraiment... formidable, ça s'appelle La mémoire de l'eau. Et si ça vous ne comme pas une série. Du nom de la dame, vous allez à la librairie et vous dites vous dites Olivier Lamberterie, Télématin. Voilà, ça devrait marcher. Jérôme, avec vous. Votre amant. Votez Jérôme Cassou. Moi, je vote toujours Jérôme Cassou. C'est l'élection. Pour avoir tout le temps le streetard, je suis
Ouais, alors le street art, effectivement. Alors, votre immanquable, Jean. Oui, alors mon immanquable, effectivement. Alors, je rebondis sur ce que dit Olivia. C'est-à-dire qu'il y a ça pullule de bouquins dans les librairies. Et bien là, je vais vous parler d'un événement qui s'appelle Un immeuble, une œuvre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en France 579 œuvres qui se sont infiltrées dans la cité, sur les immeubles, dans les cours d'immeubles, dans les garages. Et ça, personne ne le voit. Mais où? Et donc, partout, Amiens, partout, Lille, Marseille, Lyon, toutes les grandes villes ont des œuvres d'art qui sont en fait achetées par le gouvernement, par le ministère de la Culture, pour nous donner du supplément d'âme, pour nous dire, regardez, l'art peut nous aider ça, à vivre ensemble. Ça plaît, on applaudit quand même, non? Alors, on applaudit, évidemment. 579 œuvres, 424 programmes immobiliers, urbanistiques qui sont mis en place avec des grandes figures du street art ou de l'art contemporain. Par exemple, Buren, qui est très médiatique, participe effectivement à cet événement. Mais c'est vrai qu'on peut passer à côté, même si c'est immense, c'est pas le voir. Donc l'idée, c'est ça, c'est une opération pour qu'enfin, on ouvre les yeux ou on ouvre les yeux et surtout se dire que la cité est un musée à ciel ouvert. Mmh. Donc on est là aussi, parfois dans les parkings, c'est un espace un peu anxiogène. Mmh. Eh bien, ouais, des grands artistes vont travailler la lumière, vont travailler les espaces, vont travailler les décors pour que nous puissions être en harmonie aussi avec la cité dans laquelle nous habitons. Donc finalement, je trouve que c'était important de révéler cette charte, un immeuble, une œuvre, qui est donc initiée par le ministère de la Culture. Vous levez les yeux un peu quand vous baladez, ou c'est vrai que ça passe un peu inaperçu? Moi, je trouve que c'est génial. Et puis ça rend l'art véritablement populaire. Ça égaye, en même temps ça questionne, parce qu'effectivement, le street art est intéressant quand on arrive à donner du sens aux images, voilà. Et généralement, les artistes donnent du sens. En même temps, entre le street art des années 70 et aujourd'hui, il y a un peu un fossé, non? Alors le street art, c'est très institutionnalisé. Nous gardons l'antenne, nous révolutionnons. Allez, merci beaucoup, sachez. Après le journal. C'est un immanquable.